Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Au sommaire aujourd'hui, présidentielle, qui veut la peau des petits candidats, fusillade, ce monde nous rend-il tous fous et Claude Molière, les travailleurs détachés. Vendredi 17 mars se clôturait le recueil des parrainages aux candidats à l'élection présidentielle. Le lendemain matin, le Conseil constitutionnel présentait donc la liste des candidats en lice pour l'élection qui se soumettront à notre scrutin le 23 avril prochain. Ils seront au nombre de 11, par ordre alphabétique, Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou. Ces 11 candidats auront donc dû obtenir les parrainages de 500 élus de 30 départements différents. Une procédure habituelle, mais qui peut poser question. S'il est inimaginable que n'importe qui puisse se présenter, d'autres filtres que celui des élus pourraient être envisagés, comme par exemple le parrainage d'un certain nombre de citoyens ordinaires. Une procédure globalement peu favorable aux candidats dits « petits », ne bénéficiant pas déjà d'une couverture médiatique élevée, d'un réseau d'élus locaux développé, ni de la trésorerie d'un parti bénéficiant de financements publics. Aujourd'hui, Claude et Daniel, militants du NPA, sillonnent le canton de Saverdonne en l'Ariège. Sur les 100 communes qu'ils ont visitées à leurs frais depuis le mois de septembre, Claude et Daniel n'ont recueilli que 6 promesses de signature. À la mairie d'Esplace, ils trouvent porte close. Dans ces cas-là, pas d'autre solution que de demander l'adresse du maire. Mais une procédure qui, cette année, a connu plusieurs modifications, complexifiant encore un peu la tâche de ces candidats, en imposant, dès le départ, un calendrier resserré et des contraintes supplémentaires aux élus donnant leur parrainage. Ces derniers n'avaient que 3 semaines pour faire parvenir les formulaires officiels. Les formulaires ne pouvaient plus être collectés en amont par les candidats et leurs équipes comme cela se faisait jusque-là. À chacun d'envoyer lui-même son formulaire par la poste sans que sa validité ne puisse être vérifiée et sans aucun contrôle sur les aléas liés à tout envoi postal. Des candidats qui se plaignent d'évoluer à l'aveugle, car ce sont les élus eux-mêmes qui transmettent leur parrainage au Conseil constitutionnel. Au-delà, c'est la fin complète de l'anonymat des parrainages et leur publication quasi en temps réel sur le site du Conseil constitutionnel que les élus dénonçaient. Car ces mesures, prises sous le motif d'une transparence accrue, peuvent également avoir des effets pervers et notamment de faciliter les pressions des partis sur les élus. Pour nombre de petits candidats, la désillusion est grande. Ils disposaient de plusieurs centaines de promesses de parrainage, des promesses qui ne se sont toujours pas concrétisées. L'épreuve des 500 signatures est donc loin de constituer une simple formalité. Mais une fois cette épreuve passée, on pourrait s'attendre à ce que tous les candidats aient les mêmes possibilités de présenter leur programme aux Français. Hélas, il n'en est rien, puisque là aussi, sur les questions de temps de parole dans les médias, les règles ont changé. Du principe d'égalité qui régissait jusqu'ici les campagnes électorales, nous sommes passés à un principe flou, faisant dépendre la présence dans les médias du poids supposé du candidat, alors même qu'il semble évident que le poids du candidat dépend en grande partie de la présence dans les médias. Le caractère malsain de cette situation devient flagrant lorsqu'on voit que les débats présidentiels en prime time sur les chaînes nationales sont réservés aux 5 candidats faisant la course en tête dans les sondages. J'ai vu avec stupéfaction, en écoutant votre journal, que votre chaîne allait réserver le débat public. Nicolas Dupont-Aignan, on a un temps d'interview si vous consacrez la polémique. 30 secondes et ouais. Nous reviendrons à nos affaires. Allait réserver l'antenne à 5 candidats sur 11. Il y a une décision du Conseil d'État. Il y a une décision du Conseil d'État qui reconnaît que TF1 respecte le principe d'équité. En tout cas, TF1 ne respecte pas le principe d'égalité des candidats. Nous sommes en période officielle et je veux dire aux Français que c'est une rupture d'égalité sans précédent en République. Comme si certains candidats étaient plus légitimes que d'autres, comme si certains votes étaient plus légitimes que d'autres, et comme si, au final, certains électeurs étaient plus légitimes que d'autres. Revenons à présent sur l'événement dramatique qui a frappé le lycée Alexis de Tocqueville de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Jeudi dernier, un jeune homme de 16 ans, scolarisé sur place, y a déclenché une fusillade, blessant le proviseur et 4 de ses camarades, armés d'un fusil à pompe et d'une arme de poing. D'après les premiers éléments de l'enquête, à prendre avec des pincettes, le jeune homme entendait exercer une vengeance personnelle envers une liste de personnes. Cet événement a vite été rangé dans la catégorie des faits divers, le tireur étant renvoyé à ses goûts musicaux, aux opinions de ses parents ou à son attrait pour les armes.
Dans une autre affaire, celle de la fusillade d'Orly, c'est la potentielle motivation religieuse qui a été retenue en premier par de nombreux médias, entraînant le classement automatique de l'affaire dans la catégorie terrorisme. Des larmes, des morts, mais aussi de l'audience. Et lorsque ces deux affaires ont été évoquées, notamment lors du débat présidentiel de lundi soir, ce fut avant tout pour appeler au renforcement des dispositifs de surveillance. Mais s'il est facile de voir des défaillances après coup et de donner des leçons, Captain Constat, le héros des temps modernes, il faut garder à l'esprit que ce genre de problème est difficile à prévoir. Si la personne impliquée dans la fusillade d'Orly était connue de la justice comme une petite frappe, elle n'était pas fichée comme représentant une menace. Quant au lycéen de Grasse, il ne s'était jamais fait remarquer et a été considéré comme tout à fait normal par un psychiatre. Eh bien, vous êtes quand même un bel enfoiré. Non. Je suis un type tout ce qu'il y a d'ordinaire qui n'a plus rien à perdre. Et peut-être est-ce précisément là un aspect important, bien que rarement souligné, le fait que de nombreuses personnes dites « normales » atteignent un point de non-retour. Bien sûr, on peut mettre cela sur le compte de la responsabilité individuelle, mais le fait est que, sans aller jusqu'au cas extrême d'explosion de violence, dépressions et burn-out sont aujourd'hui monnaie courante, et nous connaissons tous des personnes ayant été frappées par ces symptômes ces dernières années. Le burn-out révèle à quel point notre société surinvestit le travail et désinvestit les relations humaines, les relations affectives et les fêtes quotidiennes qui sont nécessaires pour se sentir bien. Quand ce type de phénomène se généralise, que de plus en plus de personnes se retrouvent en perte de repères, en proie à un sentiment d'isolement ou à des tendances dépressives, peut-être faut-il y voir aussi les symptômes d'une société malade où la déshumanisation, le délitement des structures collectives, la dématérialisation des rapports sociaux génèrent un mal-être pouvant amener des situations de désespoir intense et des comportements destructeurs tournés vers soi-même ou vers l'extérieur. Peut-être que les discours faciles et quelque peu bien pensants sur la sécurité ne suffisent pas à traiter le mal à la racine, dans un monde où il est de plus en plus difficile de croire en quoi que ce soit. Mon travail consiste en priorité à masquer le mépris que j'éprouve pour les trouducs de la direction. Et au moins une fois dans la journée, à m'enfermer dans les chiottes pour me faire dégorger le poireau. Tout en fantasmant sur une vie qui ressemble à l'enfer. Où les gens voient leurs rêves et leurs aspirations écrasés par des logiques froides, et où, si la plupart tentent de vivre honnêtement malgré les difficultés, certains finissent toujours par craquer. Notre tranquillisant naturel, c'est se sentir en confiance. Et ça, nos conditions modernes de travail, on ne l'a plus. Au final, peut-être qu'une société qui fait passer la vie des gens après l'argent ne peut générer que de la frustration. Et si la sécurité des citoyens est une priorité, peut-être que la garantir implique également une réflexion de fond sur comment remettre les pouvoirs publics au service des gens, réimplanter de la vie dans les territoires laissés à l'abandon et permettre à chacun de croire à nouveau en un projet commun. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. Car à considérer de plus en plus les gens comme des chiffres, il ne faut pas s'étonner qu'ils agissent de moins en moins comme des êtres humains. Ces dernières semaines, il a été question d'un dispositif appelé « clause Molière » mis en place par plusieurs régions dans l'objectif affiché d'obliger les entreprises du bâtiment à ne recruter que des ouvriers parlant français pour les chantiers financés par l'argent public. Pour des politiques comme Laurent Wauquiez ou Valérie Pécresse, il s'agirait de veiller à la sécurité sur les chantiers en s'assurant que tout le monde se comprenne et de privilégier les entreprises locales dans les appels d'offres de leur région. Au final, il s'agit d'envoyer un signal politique contre l'emploi de travailleurs détachés, ouvriers de pays pauvres de l'Union européenne, travaillant pour de faibles salaires sur les chantiers en France, au détriment des emplois locaux. Il faut véritablement qu'on l'arrête ce phénomène-là, parce que les entreprises vont disparaître, il y a des solutions à trouver, autrement beaucoup d'entreprises vont s'arrêter et des travailleurs français se retrouveront par le fait au chômage. Pour comprendre, il faut revenir sur le fonctionnement du travail dit détaché. Officiellement, il s'agit de permettre à une entreprise d'envoyer des salariés dans un autre pays pour réaliser un projet ou un chantier. Pour simplifier les démarches, les cotisations sociales et les impôts continuent d'être versés dans le pays d'origine. Le salaire net, lui, doit normalement être aligné sur le pays d'accueil pour limiter la mise en concurrence entre ouvriers de différents pays.
Mais dans les faits, ce dispositif est souvent largement dévoyé. Des firmes transnationales comme Vinci, Eiffage ou Bouygues utilisent des chaînes de sous-traitants et des sociétés d'intérim pour recruter en Pologne, en Roumanie, en Grèce ou encore au Portugal. L'optimisation des coûts, la nécessité d'avoir un résultat le plus rapide possible, fait que tout un pan de notre industrie est en train de se muer en sous-traitants et en cascade de sous-traitants. C'est la question de la sous-traitance qui est la question principale. Le détachement est une des conséquences d'une volonté de sous-traitance des grands groupes. Ces sociétés semi-fictives n'ont normalement pas le droit d'utiliser la directive sur les travailleurs détachés, mais ne se privent pas de le faire, faute d'un contrôle réel de la part d'institutions souvent complaisantes. Pire encore, ces firmes n'hésitent pas, tout simplement, à ne pas déclarer les travailleurs détachés. Quand j'ai voulu faire mon travail comme je le faisais sur d'autres chantiers Bouygues, c'est-à-dire de vérifier la traçabilité des documents des étrangers travaillant là, on me l'interdit formellement de les demander et encore plus de vérifier et encore plus de m'en occuper. Ainsi, Bouygues Construction a été condamné en appel le 20 mars 2017 pour n'avoir pas déclaré 200 ouvriers polonais et roumains sur le chantier du réacteur nucléaire EPR de Flamanville. Au final, la fraude se situe donc en haut lieu et est à aller chercher au niveau des directions de firmes ayant mis en place un véritable système mafieux. Dès lors, on peut se demander si la meilleure manière de mettre fin à cette situation consiste à taper sur les personnes tout au bas de l'échelle, les ouvriers du bâtiment qui travaillent dans des conditions extrêmement dures, loin de leur famille et en recevant souvent leur paye avec des mois de retard. On est exploité légalement. Oui, on est exploité comme des esclaves modernes. Je ne suis pas à la maison pendant 2 mois, sans épouse et sans enfant. Et ça, c'est difficile. Le chauffeur se prépare son repas à l'arrière de son camion. Sur ce site, Géodis n'a même pas prévu de coin cuisine. Et l'on peut se demander si cette clause Molière n'est pas juste un moyen, pas si subtil que ça, de détourner l'attention pendant qu'une poignée de personnes qui ne sont jamais montées sur un échafaudage de leur vie s'enrichissent de la concurrence entre les gens et en toute illégalité.